Oh! What the fuck? Salut à tous, c'est Lune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la salle va passer son permis. Pedro, c'est le meilleur. Et du coup, on est parti pour la salle passe son permis sur GTA 5. Let's go! Votez si oui ou non la salle mérite d'avoir le permis à la fin de la vidéo. On a une autre école qui a du fric. Bonsoir, messieurs. Oui, oula, alors je crois que c'est mon élève, il me semble. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez déjà piloté un hélico? Ah mais moi je passe le permis voiture, pas le permis hélico hein. Bonsoir messieurs. Ah, ok. Bonjour. Bonsoir. Enchanté, bon c'est déjà vu moniteur. Bonjour, Jean-Luc Mélenchon, c'est vous? Non, c'est Michel. Ah d'accord, ok, parce que alors, vous êtes pas présenté. C'est lequel mon élève? C'est le monsieur qui est juste là. Moi, Rodolphe. Rodolphe, enchanté monsieur Rodolphe. Alors du coup je vous explique, c'est la première fois que j'examine ici. Merci. Voilà, donc vous êtes mon premier en fait, c'est clairement mon premier ici dans la ville. Donc, moi j'étais plus du côté du Kansas City, donc là je viens d'arriver du coup à Los Angeles. Et puis du coup vous êtes mon premier. Donc, du coup c'est... Je connais cette ville, c'est les gens où ils sont coincés dans la city quoi. C'est ça, alors du coup ça va, ça se passe plutôt bien ici la route monsieur le moniteur? Alors écoutez, ça va, y a, c'est les gens roulent bien. Juste une fois, j'avais un élève il y a quelques temps où c'était un peu cata. On s'est retrouvé face à un tank. Ouais. Et au lieu de fuir, voilà, il faisait des doigts d'honneur et il rigolait. Donc, Ah, d'accord, ok. Eh bien, écoutez, messieurs, vous allez passer le permis sur cette magnifique voiture. Donc, est-ce que vous avez l'habitude de passer sur ce genre de véhicule, monsieur Rodolphe? Oui, après vous. Eh bien, écoutez. Vous prenez le volant, c'est votre examen aujourd'hui, et du coup, bah, je vous invite à régler votre siège, etc. Bon. C'est fait. Tout est bon? Oui. Eh bien, écoutez, je vais vous demander de passer par la porte de gauche, d'aller, du coup, sur votre gauche. Faites attention, mettez bien les clignotants. Et puis, voilà, c'est parti, monsieur. Donc, c'est une session de 30 minutes, hein, vous inquiétez pas, je vais vous poser des questions tout le long. Allez-y, vous pouvez y aller. Et moi, ça peut arriver que je parle un peu à mon élève, ou j'ai le droit, ou j'ai pas le droit. Vous pouvez. Écoute-moi, Rodolphe. Sur les calottes de ses bras, mon copain. Tu essaierais de leur avoir le permis. Ça fait 10 ans qu'on essaye tous les jours. Et là, continuez. Hein. Affirmatif, monsieur. Allez-y, monsieur Rodolphe, vous pouvez y aller. Il y a personne. Tout droit ou à droite? Tout droit. Excusez-moi, je ne vous ai pas précisé. Ensuite, une fois que vous allez au prochain stop, vous tournez du coup sur votre droite, juste maintenant. Allez, on va à droite. Voilà. Oh là, aïe. J'ai mal au rein. Allez, sortez. Mais t'as pas perdu les autres, Loma. Non mais ça va pas, monsieur? Non, j'ai envie de vomir. Je vais sortir la calache. Ouais. Sur mes morts, mon copain. Sur mes morts, mon copain, tu me connais mal, mon copain. Vous savez quoi, j'ai eu très peur. Mon copain, tu me connais mal, sur mes morts. Oh. Allez. Tout va bien. Hop, ça va, ça. Viens, on va discuter. On va discuter, mon copain. Non, mais vous voulez que je vous donne combien? Ça coûte combien tout ça? Non, mais on va faire un constat. Ah, juste là, monsieur, en fait, je vous explique, il y a un élève qui est en train de passer le permis de conduire. Donc, je vais prendre votre numéro de téléphone et puis, hop, je le note. Allez-y, je vais le prendre. 06, hein. Allez-y. Je vais le prendre. Vous pouvez reprendre le volant, monsieur. Ok, alors, donc, je rappelle ici à peu près, donc vous connaissez, je pense... forcément, eh bien, le code de la route, donc on est en ville. Oula, oui, bah, ils n'hésitent pas à couper, quoi. On va couper la route, monsieur. J'ai cru que ça aurait été éliminatoire, mais ça va, heureusement. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Allez-y, vous pouvez y aller. C'est un stop, mais c'est pas un feu rouge. Vous n'avez pas demandé de tourner? Là, vous allez tourner à droite, monsieur. Quand je vous le dis pas, vous allez tout droit, en gros. Il faut lui foncer dedans, lui. Chez nous, on lui fonce dedans. Alors faites attention au vélo. Hein. J'ai le droit de klaxonner. Alors, je sais pas si vous avez... Avance. Il faut savoir, monsieur, l'ouverture des fenêtres uniquement en cas d'urgence. Il perd du poil, monsieur, là. Il avance, hein. Pardon. Alors, monsieur, on va poser quelques petites questions. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour voir dans le noir. La hauteur des feux. La hauteur, je parle pas de... Ah, pardon. La hauteur. Pour que
Alors la hauteur, c'est-à-dire, vous pouvez préciser votre question? Par exemple, vos feux de croisement, il y a une hauteur, donc droite ou gauche. Enfin, ou droite. Bas. Allez-y tout droit, vous pouvez y aller. Le feu est rouge, monsieur. Ah oui, effectivement, j'ai pas vu que le feu était rouge. Alors, petite question, donc sachez que vous allez avoir trois questions tout au cours de l'examen. Alors, pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide lave-glace spécial en hiver? Pour laver la glace quand il neige. Mais pourquoi vous savez, vous avez différents types de lave-glace. En l'occurrence, vous avez différents types. Et en hiver, il y en a un spécifique. Pourquoi? Pour manger des glaces. Pour manger de la glace. Effectivement, c'est bien ça. Ok. Eh bien, écoutez, je vous invite à y aller et puis je vous poserai la prochaine question. Merci, monsieur. Ok, on attend tranquillement. Bon, forcément, ça roule assez doucement ici, hein, je remarque. Parce que vous savez, au Kansas City, moi j'étais au Kansas City, ça roulait pas comme ça du tout. Hein. Il va avancer plus vite. Alors, je vais vous demander de prendre la droite, s'il vous plaît. Alors là, on va arriver en ville, donc faut faire très attention. Vous tenez bien qu'en ville. Voilà, hein. Tranquillement. Oh! What the fuck? J'ai tout vu, je suis témoin. Il y a un accident. Ah oui. Okay, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu bombardes, tu t'arrêtes pas, tu bombardes. Waouh! Oh là là. J'ai rien vu. Et on met les mains sur les yeux et on dit j'ai rien vu. Allez, on avance. Vous allez tout droit, monsieur. J'ai rien vu. Allez-y tout droit. Ouais, mais le feu est rouge. Hein, c'est bon. Non, le feu est vert. Ok. Alors. Voilà, bien évidemment. Oula, attention, monsieur, la vitesse, monsieur, attention. Ah oui, oui. Okay. Alors, c'est le pont qui est petit, c'est tout. Alors, je vais vous demander de prendre à droite. D'accord. Donc, oui. Voilà. Et vous allez tout doucement, vous prenez votre temps. Oh, la police, ouais, on vous dit. Voilà, vous freinez, tout simplement. Oh. Ok, alors vous inquiétez pas, il y a la police derrière, mais vous inquiétez pas. Gaffe, j'ai de la drogue sur moi, bombard, fais attention. Le feu est vert, vous pouvez y aller. Attention à la police. Alors, je vais vous demander de prendre à gauche. Ah, vous m'avez pas prévenu avant. Oula. Bonjour monsieur, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Sur le côté. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah merde. Je vais simuler que je suis... Monsieur Rodolphe. Pourquoi vous zigzaguez sur la route? Attends, vous m'avez dit un... Sortez du véhicule. Monsieur, vous m'avez dit à gauche au dernier moment. Mais monsieur, faut pas faire ça sur la route, c'est très dangereux. Bah, c'est le moniteur hein, qui est là. Alors, bonsoir monsieur, je suis l'examinateur. Bonsoir. Je suis enchanté Michel. J'ai le nom de frérot là. Michel. C'est bien moi. Alors, je vous explique, on est en plein examen de conduire, donc je lui ai dit de tourner à gauche au dernier moment. Examen de conduire. Désolé, monsieur les agents. Vous êtes monsieur? Monsieur. Agent Maud. Et monsieur? Et agent Pedro. Agent Pedro. Alors, je disais, c'est un élève. Hein, donc, Pedro, fouillez-moi. Vous avez pu hein, regarder en haut, c'est écrit auto-école. Allez, Pedro, fouillez-moi, Pedro. Regardez, j'ai rien sur moi, monsieur Pedro. Fouillez-moi. Non, mais vous inquiétez pas, monsieur le moniteur, venez, je vais gérer la situation. Allez-y. Non, mais qu'il me fouille, j'ai envie qu'il me fouille, moi. Vous savez que ça, normalement, monsieur, c'est retrait de points sur le permis. Regardez, tout est dans tout, ouais, j'ai tout pas tout le permis. Il a pas le permis encore, monsieur. Il est en fait, oui, il en a plein d'examen. Oui, j'ai bien compris, mais en temps normal, s'il fait ça. S'il obtient son permis, faut pas faire ça, quoi. Mais monsieur, j'ai pas le permis. Il a pas encore le permis, monsieur, mais vous êtes complètement fou. Non, mais en fait, je vous explique, monsieur Rodolphe, il faut pas faire de zigzag sur la route. Mais monsieur, j'ai pas le permis. Oui, mais ça c'est pas le problème. Vous faites des zigzags sur la route. Non, et justement, alors pour défendre mon. Alors, il fait pas de zigzag parce qu'il a fait un zig, un zag, un zig, un zag et un zig et un zag. Bon, donc, monsieur. Il en a fait que deux. Attends, ça fait beaucoup de zig et de zag quand même. Ça fait voilà. Ah non, parce que dans la route, s'il y a précisé, il y a un panneau qui dit « Faites des zigzags ». Et donc, vous allez me mettre une contravention? Non, pour cette fois, ça allez, va aller. Mettez tout au monsieur avec l'écharpe rouge. C'est ce qu'on vous dit en temps normal, là, c'est retrait de points sur le permis. Hein. Bah allez-y, retirez-moi des points. Mais il a pas le permis, monsieur. Bon, écoutez, monsieur l'agent, on est désolé, il a pas fait attention. C'est un jeune élève.
Donc la prochaine fois, on fera attention, mais faudra faire attention, monsieur Rodolphe, oui. D'accord Monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Oui. Pourquoi vous êtes habillé en gardien de prison, monsieur? Je reconnais la tenue, ça, hein. Et pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme ça? Vous allez à la plage ou... Comment ça que je vais à la plage? Comment que je vais à la plage, moi, monsieur? Je vais pas qu'à la plage, monsieur. Je suis moniteur et examinateur. Allez-y, monsieur Rodolphe, reprenez le volant. Et tout est fini en heure. Monsieur l'agent, excusez-vous monsieur, de me déranger. Il a volé votre voiture, monsieur. Je l'ai vu se barrer, c'est... monsieur. T'as interdit de conduire le torse. Ah. Monsieur, il n'y a plus de voiture, vous allez devoir monter avec nous, je pense. Je vais aller me changer, mais monsieur l'agent, excusez-vous de me déranger, s'il vous plaît. Le moniteur ici présent avec l'écharpe rouge a de la drogue dans sa poche. Voilà, je l'ai dit. Alors, j'ai dit. Monsieur l'agent mode, je ne sais pas ce qu'il raconte cette personne, mais. Regardez, je vais passager, regardez. Regardez. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, l'élève? Non, regardez ce qu'il a, regardez ce qu'il a de caché, monsieur. Regardez ce qu'il a de caché. Rangez ça, monsieur, de suite. Non, mais attendez, regardez, je vais vous montrer ce qu'il a encore. Regardez. Monsieur Rodolphe, s'il vous plaît. Regardez ce qu'il a. Oui. Regardez, monsieur. Remontez dans le véhicule, s'il vous plaît, monsieur Rodolphe. Dans le véhicule. Je vous le donne, du coup. J'ai une lampe torche. Remontez dans le véhicule, monsieur Rodolphe, on va reprendre la route. Monsieur, je trouve ça bizarre qu'un moniteur, il a des. Regardez ce qu'il a, le moniteur, monsieur. Tenez. Monsieur l'agent, le moniteur m'a dit que quand il allait faire nuit, il n'y a pas de feu sur le véhicule, il va falloir que j'éclaire avec ma lampe torche. Je suis d'accord, je suis témoin. Alors, monsieur l'agent, je ne sais pas ce qu'il raconte, je ne comprends pas. Il m'a demandé d'agiter mon bâton pour faire les clignotants, donc... Si vous continuez, on va devoir vous arrêter, là. Monsieur le moniteur, s'il vous plaît, vous voulez que votre élève ait le permis de conduire? Moi, je pense que vous devez nous... Vous devez nous arrêter et on règle ça au poste, hein, à un moment donné. Monsieur Rodolphe, s'il vous plaît, vous m'écoutez? Oui. Je suis malvoyant, monsieur, je vois rien. Moi, c'est Rodolphe. oui, monsieur Michel. Alors, écoutez, monsieur Rodolphe, vous allez remonter dans Rodolphe, le véhicule. Rodolphe. Vous allez remonter dans le véhicule, oui. Je vais gérer la situation avec les agents. Monsieur le moniteur, s'il vous plaît. Je suis malvoyant, moi, monsieur. Vous avez pas dit mon nom de famille? Rodolphe, montez dans le véhicule, s'il vous plaît. Rodolphe Golf, montez dans le véhicule. Golf GTI, vous avez oublié la moitié. Monsieur Rodolphe, Golf GTI, remontez dans le véhicule, s'il vous plaît. AMG Blanche, son nom de famille. AMG Blanche, monsieur. Monsieur le moniteur, remontez dans le véhicule, s'il vous plaît, voilà. Vous pouvez venir avec nous, s'il vous plaît. Ok, on arrive. Oui, je suis désolé. Entre nous, vous avez pas lui donné permis, quand même. Non, mais vous inquiétez pas, je vais gérer la situation. Oh là là. Monsieur l'agent. Je pense qu'il va falloir dénoncer le moniteur avec, hein, parce que... Oui, non, mais vous inquiétez pas, je vais gérer la situation. Compliqué là. Désolé, monsieur les agents. Prenez mon numéro de téléphone et puis on voit ça au poste après. Là, on fait une exception, mais qu'on ne voit pas faire des bêtises sur la route. Ah, très pas important. Tout. Tiens, bois un peu parce que. Avant, c'est quoi, agents. C'est de la bière? Ah, du champagne. Ouais. Ok, donne. Voilà, je hop là, c'est pas moi qui conduis. Range ça, putain, il y a les agents derrière. Oui, je suis Sam, celui qui conduit pas. Tu peux repartir par la droite. À droite, monsieur. Alors, du coup, mais ça va pas devant les policiers. Doucement, monsieur, doucement. Désolé, elle a dérapé, j'ai pas maîtrisé, là. Ah, mais alors, excusez-moi, c'est de ma faute, monsieur l'examinateur. J'ai mis, au lieu de mettre des cours d'apprentissage, je mettais Fast and Furious. Alors, monsieur Rodolphe, on va prendre l'autoroute, d'accord? Oui. Donc, la vitesse, vous connaissez la vitesse, c'est 110 maximum. Vu que vous êtes déjà une permis, c'est 100, d'accord? Ok, oui. Donc c'est parti, vous allez sur l'autoroute et on fera demi-tour au niveau de quelque part, je vous tiendrai au courant. Excusez-moi, je me suis coupé derrière, j'ai beaucoup de sang du coup. Allez-y, monsieur Rodolphe, voilà. Excusez-moi, monsieur l'examinateur, je saigne. Comment qu'on fait? Y a des... Alors, dans la boîte à gants, il me semble. Alors, monsieur, on n'a pas le droit de doubler par la droite, donc... Donc je dois... Ah, par la droite. Regardez, je vous ai dit que j'ai une Fast and Furious. Oh, ça va, ça va, monsieur. Mais qu'est-ce que s'est-il passé? Allez-y, roulez tout droit. Ok, prenez la droite, prenez à droite, sortez. Voilà. Ah oui, désolé. Stop, doucement, par contre, doucement, là, vous rentrez en ville. Donc là, vous allez prendre par la gauche, s'il vous plaît. Ok. Alors par contre, merci de bien respecter le code de la route. Ah, le code de la route, oui. Bah,
À gauche. Et vous allez repartir sur l'autoroute en sens inverse. Et on va revenir tout simplement au point d'examen. D'accord ? D'accord, monsieur. Je peux doubler par la gauche. Non. Mais... Enfin, dites, monsieur, ça va aller, oui. Bah, vous m'avez dit... Malade. Je comprends pas. Vous m'avez dit doubler par la gauche. C'est interdit de doubler par la gauche. Vous avez dit à droite. Alors je comprends pas, je peux doubler par la droite ou pas? Continue sur l'autoroute à gauche s'il vous plaît. Ah mais vous dites on doubler par la gauche, par la droite. Je comprends plus. Alors là moi je suis perdu. Allez, si moi, vous allez tout droit, par la gauche. Je vais où là? Je comprends pas. Je vais là, je vais à droite, à gauche, à droite, à gauche. J'aurais pensé à droite, à gauche. Mais non, au final c'est à gauche. Stop. Ah là il faut stopper. Mais la droite, monsieur, s'il vous plaît, doucement. Là vous passez votre permis. Donc là, d'accord, vous prenez la route, vous allez... Ah là, il est quand même arrêté au milieu de la route, on vient de se faire foncer dedans. Voilà, tout doucement, vous restez sur la file de gauche, d'accord? Ok. Et là, on va arriver en ville, tout simplement, vous continuez tout droit. D'accord? Donc là, vous restez ici. Doucement, doucement, monsieur. Ah oui, désolé, ça va se cramer. Voilà, tranquillement. Wow! Mais décidément, c'est pas la journée des avions, hein. Il y a un dauphin qui s'est écrasé derrière nous. Ah oui, alors vous allez prendre par la gauche, s'il vous plaît, monsieur. Non, à gauche. À gauche. J'ai pas... On va se dire à la prochaine à gauche, monsieur, parce que moi, j'ai je sais pas. Saisi. Ok, là, c'est un feu rouge, donc on s'arrête au feu rouge. Je vais en profiter pour vous poser la troisième question, d'accord? Oui. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de refroidissement? D'un niveau de refroidissement d'un liquide qui redescend, j'ai pas compris. Capricorne, l'été. Allez-y tout droit, vous passez au niveau. Vous pouvez répéter le. Quelles sont les conséquences d'un niveau insuffisant du liquide de refroidissement? Est-ce que vous pouvez me donner la définition de conséquences? Bah, les conséquences, c'est-à-dire quels sont les risques en gros. Ah, les risques de. Alors faites attention, je crois qu'il y a un accident. Ah oui. J'ai cru qu'on était dans le métro à l'instant. Waouh! Ah oui, doucement, freinez. Au secours! Au secours! Allez-y, venez, on va s'arrêter. On va s'arrêter, on va aller voir ça. On va pas l'aider, ça se trouve, c'est un guet-apens. Il va se faire taper. Plan, hein. Ah, mais c'est celui de tout à l'heure, mais c'est le monsieur de tout à l'heure. Ah, mais c'est encore. Laissez-le! Oh là là. Attends, je vais aller chercher la bouteille. Ah bah il y a l'ambulance. Regardez, regarde, j'ai pris la bouteille. J'ai un traumatisme crânien. Bon, on va laisser l'ambulance gérer. Venez, monsieur. Mais pourquoi il y a Luigi? Monsieur Rodolphe reprend les véhicules. Mais il a dit qu'il avait un Jean-Baptiste crânien. Allez-y, vous pouvez passer par la droite et on va doubler. Oula. Allez-y, foncez. Allez-y, roulez. Je me permets de rouler. Ok, roulez doucement. On passe par la gauche. À gauche, allez. Encore à gauche. Voilà, et je vous invite à vous remettre sur le parking. Oui, ici quoi. À gauche, voilà, juste là. Et vous pouvez vous remettre sur la place. Allez-y. Vous vous garez là où vous n'étiez garé. Hein. Il y a un petit problème. N'hésitez pas à foncer. Hein. N'hésitez pas à accélérer. Oui, voilà. Et vous allez faire un magnifique garement en arrière. Un garement? Ah ouais, c'est quoi? C'est quand... Un créneau? Un stationnement, voilà. Hop, entre les deux voitures. Non. Non. Derrière, entre les deux voitures ici, blanches. Sans toucher la grise. Ah oui, oula. Alors, attendez. Doucement, voilà. Non! Est-ce que je peux réessayer? Allez-y, réessayez. Merci. Voilà, logiquement, si tu fais un créneau tout en haut, c'est bon, hein. Alors, on recommence. Un créneau entre les... Attention, heureusement que c'est un 4x4, hein. Ah oui, mais c'est un 4x4. Faut le tester, le 4x4. Oh. On tire dessus. Ça va être compliqué de vous donner le permis, monsieur, hein. Franchement. Bah attendez, je fais mon créneau. Aïe, ça va être compliqué. Non, attendez, moi je veux mon permis, hein. Monsieur Rodolphe, Golf GTI, ça va être compliqué. Parce que,
Non, mais j'ai le droit à un dernier essai. Allez-y, foncez un peu plus. Ok, j'ai le droit à mon deuxième dernier essai. Alors, hop. Attends, je vais aider un peu mon... Voilà, et... Et on est là. Et voilà, je suis garé. Je vous invite à descendre du véhicule. Eh bien, écoutez, je pense, on va faire un... J'ai mon permis. Alors, ça va être simple. Vous allez avoir les résultats dans demain. Donc, vous regarderez demain dans les coups de 18h. Donc, c'est tout simplement les téléspectateurs qui vont choisir s'ils vous donnent le permis. Donc, à vous de voter dans les commentaires. Ah. Est-ce que vous donnez le permis à monsieur Rodolphe Golf GTI? Et monsieur le moniteur, je vous donnerai la réponse. Vous aurez la réponse demain. Ben, on espère. Attendez, monsieur, mon élève, il n'a pas eu de chance. Il y a des avions qui se sont crashés. Ça arrive une fois sur un milliard de chances. Il y en a eu deux dans... C'est vrai qu'il y a eu des dingueries, mais voilà, je vais noter ça, monsieur, ok. Et voilà.